Bonjour. Bienvenue pour cet épisode numéro 8, notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. Alors, on devait faire des trucs. Je crois qu'on devait visiter un peu les lieux, je crois. Ou on peut continuer dans l'histoire. Hein. Ah oui, non, je crois qu'on avait dit qu'on visitait un peu plus la ville. Je crois qu'il y avait un marchand, un truc comme ça. Quelque part. Oh. Oh, t'as de la chance. T'as de la chance, toi. T'as vraiment de la chance. Bon. Non, par là, y'a rien. Non, par contre, on est d'accord que... Oh, non. Au secours. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas marcher? Voilà. Mission disponible. Ah, non. Ok, bon, c'est une quête. Ça me va aussi. Omar. Ah oui? Estuvieron trabajando toda la noche. Et c'est pour ça qu'on les paie, non? Oh, merde. Maintenant dégage, laisse-moi regarder le match. C'est quoi ça? Bonne ambiance, hein. Ça va? Me encantaría sacar estos ladrones de aquí. Mm-hmm. Est-ce que tout va bien? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias, no nos pagan un salario digno. Et puis ils revendent tout ce qu'on peut trouver. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. J'imagine que la tempête n'a pas dû aider. Lo poco que teníamos se fue o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. J'ai un peu d'expérience avec ce genre de personnes. Je peux peut-être aider. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Merci. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Oh, mais tout va bien se passer. Je me fais aucun doute que tout va bien se passer. Bon, salut, toi. Cassio. Pareil que t'es quelqu'un de bien, toi. Vous cherchez du travail? Eh ben, c'est pas de chance. On a assez de gens. C'est Marco qui s'occupe du recrutement, de toute façon. Oh, oui, merci. Vous savez où je peux le trouver? À votre avis, au bar. Oh là, ah ouais, ouais, super. Il parle bien déjà. Hein. Déjà, il parle bien. Où est la réception? Ah ouais, je peux mettre devant? Oh, il s'en fout. Ça va, je te gêne pas. Hein. Allez, salut. Me encantaría sacar estos ladrones de aquí. J'aime bien comme elle recule en mode ouais, je te regarde, je t'écoute, hein, t'inquiète. Hein. Bon, le bar. Le bar, il est là. Hein. Ah, est-ce que Jonah, il est toujours en discussion? Avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais... Attendez, comment elle s'appelle? Ouais, voilà, elle. Vous pouvez pas parler comme ça, j'ai vos noms? Je me rappelle plus. Non. Faut croire que non. Est-ce nouveau ici? Acostúmbrese à ne faire rien. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿Vous n'êtes pas du coin? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. Ah, ah bah non, c'est pas toi. Mais il est où, Marco? C'est intéressant, mais... Ah, c'est toi, Marco. Toi, t'as une tête à t'appeler Marco. Pas du tout. Eh? Para qué? Je voudrais juste lui parler. No quiere problemas. Je lui cherche pas d'ennui. Je cherche du travail. Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Donc, c'est vous, Marco? Dígame que Omar no la envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo, yo... Marco, je suis pas avec Omar, je vous le jure. Qu'est-ce qui se passe avec votre fils? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Sinon, il gardera votre fils. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Eh ben, heureusement que vous avez une nouvelle recrue. Usted, de verdad, haría eso? On voudrait pas décevoir le patron, pas vrai? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. Eh ben, il y a une bonne ambiance ici, hein. C'est sympa. Ouais, sympa comme endroit.
Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Llevo dos años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Ah mais toi, on t'a... Fin lo hago y... Non mais... Qui es ese tipo? Oui, on t'a déjà parlé à toi. Toi, je me rappelle. Je sais plus si à l'autre on lui avait parlé, mais toi, je te rappelle. Me rappelle. Allez. On retourne voir Omar. Nique sa race. Il est où? Faut que j'aille au site d'excavation, c'est ça? Alors attendez, si je fais entrer, ça marchait? Je suis pas sûr, c'est pas clair. Ah non, parce que d'accord. Ok, donc je peux aller là-bas. Mais pas une histoire de marchand aussi? Oui. J'avais bien vu un truc à looter, oui. Ok. Attendez, il y a des trucs fresques. Et documents. Bon, là, il y a ça, mais ça... ça, c'était un truc... c'était bizarre. Ah non, c'est pas le monolithe, le coffre. Le coffre, ah oui. Oh, le coffre, je sais plus. Bonjour. Je suis désolée. Usted no es Mariela. Non, je... désolée de vous déranger. Ok. Alors... Petit document, description de grotte hantée. L'histoire de grotte de la région qu'on dit hantée. Des bruits étranges y surgissent des entrailles de la terre. Aucun de ceux qui y ont pénétré n'en est jamais revenu. Des bruits mystérieux, à mi-chemin entre le grondement du tonnerre et une meute de chiens hurlant à la mort. Et une mystérieuse lumière qui en émane. Elle sympa cette grotte. Donc l'histoire de grotte de la région qui sont hantées. Ah super, super. Eh, bonne ambiance ces grottes là. Très envie de voir ça moi. Bah du tout. On parle de compétences. Nice. Grande vente. Un marchand. Voilà. Échangez des ressources et d'autres objets. Salut. Bonjour. Déjeme adivinar. Omar l'a envié extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. C'est... De quoi est-ce que vous non. De qué estoy? Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... Olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? ¿Vos vendés qué? ¿Qué tengo? Esto es Kuwak Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría serlo. Debería serlo. Sí, il n'y avait pas les pillards. Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Ok. Bon, ça a l'air d'être notre pote, lui. Alors, attendez, on peut vendre des trucs. Mais je sais plus quoi. Mais il y avait un truc qu'on pouvait vendre, non? Voilà l'or, là, voilà. L'or et... Là, on a des minerais de jade? What the fuck? On va récupérer ça quand, nous? Ouais, oui, là, il écrit 60 sur 75. Donc, si je suis au max, ça va me faire chier. Donc, il faut mieux que je vende, non? Est-ce que j'en ai besoin pour d'autres choses, en fait? Moi, c'est ça, la question que je me pose. Donc, on va en vendre, mais pas tout. On va en vendre, genre... genre 30. Genre 30, ça devrait aller. Excellente élection. Voilà. Et ça, on pourrait peut-être vendre aussi, mais je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Il vend des dégâts. Enfin, des dégâts. Non, il vend des armes. Des dégâts, capacité de munitions, dégâts. Un viseur pour pistolet. Silencieux pour pistolet. Porte-chargeur. Augmente la capacité de transport de munitions pour pistolet. Pour fusil. Permet de fabriquer plus de munitions. Les éliminations furtives procurent plus d'expérience. Non mais oh. Oh. Clash normal pour oui, bon ça on s'en fout. Ils vendent des balles. Ils vendent des matériaux. D'accord. Et ils vendent de la poudre noire. Et des herbes. Non mais alors par contre il me faut ça là. Mais il me faut... J'ai envie de tout acheter. On va acheter ça. Disfrútelo. On va acheter ça. Combien? Excellente élection. Disfrútelo. Tant que j'ai de l'argent, je peux acheter. Le silencieux, est-ce qu'on achète... Ah, mais les armes... Oh. Sinon... sinon... genre... Si je vends ça... Excellente élection. J'ai de quoi m'acheter ça. Fait aussi mal qu'un camion roulant à 30 km. 30 km/h. Je suis pas sûr qu'un camion à 30 km/h, ça...
Ouais, si, ça doit faire mal quand même, hein, c'est un camion. Mais c'est un puissant fusil d'assaut, mais avec une cadence de tir réduite. Mais j'ai peur que ce soit un truc en rafale. Si c'est un truc en rafale, je vais pas aimer. On achète, hein. Moi je vois des trucs qu'on peut acheter, on achète, hein. C'est bon, tant pis. Hein. Bon voilà, j'ai plus d'argent. Ouais, c'était un plaisir. Vrai plaisir. Je pourrais te vendre mes herbes en fait, maintenant que j'y pense, mais... Bon. Très bien. Jonah, j'ai trouvé des ruines incas, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui, Abby sera... Ah c'est Abby. Ce symbole. Ah bah, c'est quelque oui, part okay. À l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Ah bah, tu ok. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. J'arrive tout de suite, Lara. J'ai vraiment rien le droit de casser. Voici Koniraya, le dieu inca de la lune. Il n'était pas très important et n'avait donc pas de partenaire. Ceci raconte comment il transforma son sperme en fruit et comment la déesse Kavilaka tomba enceinte en le mangeant. Cette grossesse fut une grande surprise pour Kavilaka, qui était vierge. À sa naissance, le fils de Kavilaka résolut immédiatement le mystère de sa paternité en rampant tout droit vers Koniraya. Kavilaka se sentit tellement humiliée par le piètre statut de Koniraya qu'elle s'enfuit au Pérou avec son fils, où ils se transformèrent en rochers sur la côte. Coup dur. Coup dur. Ah bah... Oh, c'est marrant comme mythe, je trouve. Finalement... Finalement, de tout temps. Ah, par contre, je sais pas si c'était... Ouais. Bon, ça va, ça sèche vite, je crois, mais... Ouais, c'est pas sûr, en fait. Non, si, c'est bon, ça. C'est bon. Plus de traces, là. Plus de traces de boue. Non, c'est bon. Ah ouais, mais non. Non, recule. Trop tard, on va tout casser. C'est trop tard, c'est fini. Hey, ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait? Jonah, regarde. Il manque un morceau. Ah non. Les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est? Un truc à casser. Lara! Quoi? Il a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse. Ça commence. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Ah, c'est comme dans Pokémon, incroyable. Les jumelles se retrouvent avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Non mais, moi je voulais fouiller. Non. Non. Trop tard. Hein. J'ai trouvé un temple. Super. C'est pas vrai. Les trinitaires sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Jonah, je te le jure, c'est pas moi qui ai tout cassé. Non mais par contre... Y'a moyen? Y'a moyen ou pas? Attendez, y'a moyen là. Je ne rêve pas, y'a moyen. Ah, par contre, si je suis obligé de marcher dans... Je peux pas courir, non, j'ai pas le droit. Pourquoi je fais ça? Alors surtout que, en plus, là, tout le jeu semble m'indiquer de ne pas faire ça. Tout le jeu, il semble me dire, arrête, va de l'autre côté, là, tu peux pas marcher, enfin, tu peux que marcher.
T'as pas le droit d'y aller en courant. Tu n'auras pas tu pourras pas y Hein? Si. Et là on remarche. C'est incroyable. Ouais, finalement Jonas, j'ai changé d'avis. Moi je laisse les Trinitaires s'en occuper. Pas mon délire. Non mais. Au secours. D'accord, ça c'est le marchand. Là j'ai raté un document. Ok. Bon. Est-ce qu'il y avait ce mec là? Escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Peut-être qu'il faudrait juste vous reposer. Non. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. Je n'avais pas remarqué. Il est où ce souffle? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Ah non, il est pas là. Comment ça? Attendez, il m'indique un don. Donc j'ai parlé à un mec au pif, et il m'indique un tombeau. C'est pratique de parler aux gens. C'est bien de parler aux gens dans ce jeu, c'est bien. Non, en vrai, c'est bien. Ah, il faudrait... Ah mais attendez, je peux. Mais non, t'es pas plein. Nouveau feu de camp. Boum. Les terres sont vraiment à cran. Bon bah. Mais s'ils sont ici, c'est qu'ils ont de l'avance sur nous. Et ça veut dire que je suis sur la bonne voie, je crois. Si Dominguez a raison et que le soleil meurt, je dois à tout prix trouver cette boîte avant lui. On m'avait dit qu'on prenait un truc. Mais alors quoi? J'avais fait exprès de prendre un truc pour prendre un autre truc, je crois. Non, les pièges, on s'en fout. Augmente les chances de trouver des animaux rares. Ah oui, ça, je crois qu'on avait dit pourquoi pas. Débloque les chargeurs à grande capacité, les grandes... Oui, voilà, oui. Ok, nous, on veut ça. Il faut 3 points. On peut prendre ça. Il n'y avait pas un autre truc que je voulais? Ça, ça a l'air bien. Fabrique... Non, mais attendez, oui. Non, non, mais... Non, mais let's go. Hein. Bon, voilà, ok, le clic molette, c'est des fusées éclairantes. Nice. Oui, non, ça, on a toujours rien. Ok. Très bien. Inventaire. Oui, j'ai une nouvelle arme. Alors, attendez. Déjà, on a ce pistolet. Oui. Il est où, mon voilà. Allez, on l'équipe. Enfin, en premier, améliore-le. Si je peux, améliore-le. Plus de dégâts, toujours plus de dégâts. Yes. Recharger, ouais, le temps de recharge, c'est bien. Le temps de recharge, c'est bien. La cadence de tir, ça peut être bien, même si... Ouais, la précision, ouais, ouais. On améliore tout, hein. Ouais. Bon, la cadence de tir, on va attendre. Par contre, il faut l'équiper. Comment ça, j'ai un... Poigne de la terreur. Attendez. Voilà, prends ça. Non. Inventaire. Pourquoi il... Ah, parce qu'il faudrait que je regarde tous mes arcs. Non, mais... Non, c'est lequel d'arc que j'ai là? C'est celui-là que je porte. L'arc du renard. Je peux augmenter la... Ouais, vitesse de dégainage, allez. Voilà. Niveau tenue. D'accord, ok. Parce que voilà, je sais, j'avais qu'il y avait du coup haut du corps, bas du corps. Attendez, mais... Ok. Ah, et là, ça, c'est les trucs que je peux craft. Botte de 9 pas. Les ennemis prennent plus de temps à repérer et à identifier Lara comme une menace. Obtenez davantage de graisse, de poudre noire et matériaux de toutes les sources. C'est pas mal. Sympa ça en vrai, moi j'aime bien. Ouais, nickel. Très bien. Du coup, ça remplace ça. Ça me va. Hein. Ah non, ok, l'effet sur le torse, c'est ça. D'accord, c'est juste l'effet des jambes qui changeait, oui. Je vais y arriver, hein, je vais finir par comprendre, mais... Ok.
On va pas changer la race sinon. Ah, attendez, juste. Ça se met en plus de ce que j'ai. Non, pas du tout. Non, voilà, mets-toi en aventurier. Si je me mets en aventurier et que je fais ça et ça. Si, c'est le skin de l'aventurier que j'ai dessus. Oui, c'est ça. Ok. Donc, du coup, je peux faire genre ça. Ah, mais sauf que du coup, je vais avoir les bonus. Non, j'ai pas les bonus de la tenue. Je sais pas pourquoi j'ai pas les bonus de la tenue. Mais c'est pas grave, mais tant mieux. Ah, et si... Non ? Hein ? Je comprends pas. Je comprends pas, mais... Non, en fait, ça cancel. Ok, non, c'est... Ok, c'est ça. C'est juste ça cancel ma tenue. Ok, bon, voilà. Je pense que j'ai compris. Très bien. Bah, du coup, on peut fermer ça. Et y aller. Et avancer... Non, mais on avait... Alors, on a la... Du coup, on a la quête principale qui est là. On a la quête secondaire qui est là, mais alors par contre, il faut y aller par là, j'imagine, mais c'est pas clair. Là, on a des caches de survie, des caches de survie. On sait pas, mais il y a un truc. Et là, il y a le tombeau. J'ai quand même envie d'aller au tombeau, moi. J'ai pas assez de place pour ça. J'ai pas assez de place pour tout, en fait. Ça devient problématique, cette histoire. Paf. Ok. Ah oui, du coup. Très bien. Ah ouais, mais j'en ai déjà 4. En tout. J'en avais déjà 3, quoi. Tuer et dépecer les animaux pour trouver des ressources nécessaires à la fabrication d'équipements et de tenues. Oui, non, mais on va pas faire un massacre maintenant. Enfin, si, on va le faire, mais pas tout de suite. Mais c'est vrai que ça va arriver. Hein. Par contre, il y a une cage de survie là. Ouais, j'ai vu le bouton. Ok. Très bien. Attendez, hein, parce que... Ok, j'avais peur que ce soit le bidon que j'avais déjà vu, mais non. Il n'y a pas de crocodile ici. Y'a pas de crocodile dans ce jeu. C'est bon. Comment on fait? Contrôle. Prends ça. Ah mais t'en as pas besoin. Y'a rien là-dessous. Ok. Soit. C'est quand même bizarre ces endroits. On a l'impression qu'on peut s'enfoncer dans la jungle, mais pas vraiment. C'est quand même chelou. Il y avait vraiment rien. Attendez. Hein. Genre là, dans le contre-jour, là, il y a rien. Bon. On va dire qu'il n'y a rien. Même si j'avoue que je trouve ça étrange. Alors, maintenant c'est par là. Mais en fait là c'est quoi? C'est une réserve animalière? Non, appuie sur A. Ouais non mais au secours. Au secours la sensi quand tu vises, quand tu fais A. Très bien. Bon il y avait un truc là. Il y avait un autre dieu. Un cas. Non. Un dragon. Sans doute représentation de la Pachamama, la déesse inca de la maternité, de la terre et du temps, qui règne sur la fertilité, les récoltes et les semailles. Les montagnes étaient son corps, et elle pouvait aussi déclencher des séismes. Les gens confectionnaient des vêtements miniatures, très décorés, simplement pour les brûler en offrande à la Pachamama. Cela expliquerait les traces de brûlures sur le sol. Et ces marques brunes doivent être du sang de lama, un animal souvent sacrifié aux dieux. Sympa. Sympa la vie d'un lama. Tu m'étonnes qu'il te crache à la gueule.
Bon. Du coup, ouais, non, l'intérêt de cet endroit... Non, quoique, non, y a... l'intérêt de cet endroit, il est... Il est multiple. Monolithe. Monolette ? Il est où, la monolette ? Pourquoi je suis aveugle ? Non, il est là. Je peux plus rien transporter. Non, il est pas là. Ah, ça, c'est le tombeau, ça, à tous les coups. Hein ? Pourquoi il y a un... Hein ? Attendez, là, j'ai mis une balise. Grimpe, Lara. Non, mais... Bon, au pire, grimpe comme ça. Améliorer votre savoir ancien pour le déchiffrer, le monolithe. Ah, c'est parce que je peux pas encore. Je comprends pas ce dialecte. C'est sûrement que j'oublie quelque chose. D'accord. Ok, très bien. Oh, je l'ai eu. Incroyable, on a eu le lapin. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Les petits cochons. Ils sont juste en dessous, les petits cochons. On va aller vers le tombeau. Hein. Si... C'était pas le fusil à pompe. Ça a l'air d'être ça le tombeau. Hein. Oh, regardez-moi ça, on dirait Baba Yaga. Moi je vois ça, je pense à Baba Yaga. Pas du tout un traumatisme qui s'est installé. Hein. Non, impossible. Non mais... En fait, fais ça. Comme ça tu peux prendre ça. Et le bois. Allez, let's go. Non mais... Fais quelque chose, Lara. Merci. Et c'est raté. Non mais attendez, ah mais il y en a plein. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. En fait, j'attends trop qu'ils se bougent plus pour leur tirer dessus. Ça le problème. Non mais pourquoi il y a des talismans là? Oh là là. Ouais, super. Yes. Non bah let's go hein. Petit cochon. Petit marcasson, marcassin. Ou je ne sais pas. Je peux plus rien prendre. Ah. J'ai besoin de l'ascenseur à cornes. Ascenseur à cornes. Genre c'est quoi, c'est un truc à poulie? Bon, en tout cas pour l'instant on peut pas. J'ai envie de faire le truc le move de ouf. Non mais on va mourir, c'est ça. Là je meurs si je fais ça. Je sais plus sur quel bouton il faut que j'appuie en plus. Je sais plus si c'est E ou pas. Mais attendez. En fait, est-ce que j'ai vraiment le droit d'être ici? Bon là il y a des secrets. Non mais... De toute façon ça va donner les secrets de toute la zone, c'est ça? Ouais, j'ai pas fini quoi. Bon, on a pas fini quoi. Est-ce que c'est étonnant? Pas trop. Ah mais là il y a une... Attendez. Peut-être moyen d'enfoncer sa corde quelque part, non? Ou alors il y a moyen de sauter. J'ai cru. J'y ai cru. J'avais peur, mais j'y ai cru. J'ai bien fait. Ok. Yes. Alors, attention à ne pas se noyer. Là, il y a de l'or, là. Je veux l'or. Ok, il est là. Et 1, et 2, et 3, je crois. On est d'accord que c'est bon, hein. On est tout bon. Je crois qu'on est tout bon. Ok.
Du coup, là on peut remonter par là. J'ai l'impression. Il doit y avoir une embrouille comme ça. Mais en attendant, descendons. Au plus profond. Ouais, peut-être pas si profond quand même. Non mais attendez. Hein? D'accord. Voilà. Faisons gaffe quand même. Mais non, pour l'instant, les tombeaux me plaisent dans ce jeu. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Hein. Je trouve qu'on a vraiment... c'est vraiment un tombeau que t'explores. C'est pas juste une salle, une énigme et basta, globalement. C'est quand même très appréciable. Ça, ça l'est moins. Non ! C'est la mort. Oh bah c'est... Ah, yes. Sympa comme mort ça. Et Lara finit dévorée par deux... C'était des loups? C'était des renards? Ah, ça devait être, ça doit être des... comment ça s'appelle là? Ah mince. Mais les espèces de renards, mais qui sont pas des renards. Pas les wapiti? Je sais plus, je sais pas, peut-être pas. Hein. Peut-être que je pense à un truc qui est australien et que du coup ça marche pas. Hein. Mais je sais pas quel animal c'est. Encore une fois. Bon, du coup on rate pas notre rappel. J'ai pas appuyé sur le bon bouton en fait. Hein? Quoi? Ah oui, non, oui, parce que j'ai mis le clic. Ok. Et on se balance. Et on se balance. Ça, c'est des coyotes. Est-ce que c'est des coyotes? C'est à ça que je pensais. Mais je sais pas. Par contre, really? Non, parce que là, trop marrant cette ombre là. Et là, si je tombe, il se repasse le même drame que tout à l'heure. Hein. Bah ouais. Utilise ton arme. Je sais pas. Qu'est-ce que vous êtes vous? Merde. Non, il fallait que je passe par où? Ok, bon, ça me ramène là. Non, mais sinon, il faut que je saute là. Mais En fait, je sais pas, je vois ça, je me dis, il faut que je saute. Mais en même temps, je suis pas convaincu, quoi. J'ai pas l'impression. Je me tiens là? Ah ouais. Non, mais oui, en fait. Hein, Ok. Là, on descend en rappel. C'est quand qu'on leur tire dessus? Ça va pas tarder, hein. On va pas tarder à leur tomber dessus, hein. À tous les coups, ça va arriver là. Ouais. Les murs sont poreux. Lui, il a l'air de s'infiltrer. Oh là là. Donc il faut pas que je tire de balles. C'est ça l'idée. Je pense que c'est ça l'idée. C'était sûr. C'était sûr. Je sais pas pourquoi. Pas pourquoi j'ai quand même eu un sursaut, mais. Alors non, du coup non. Ça passe ça comme saut? Coucou. Coucou les petits loups. Ah ouais, vous sous. Salut. Et deux, hein. Et... Ah ouais, Mais... Saloperie. Non mais oh. Je pensais que son pote m'attaquerait de derrière, mais je crois que non. Hein. Bon, les esquives te rendent pas invincible non plus. Bon à savoir. Cette esquive dans sa tête, ça marche pas.
Ok. Allez, on les loot. On a des flèches ici. Ouais, j'ai peur que si je tire, tout explose, mais... Je sais pas. Je sais pas. Non, mais... Non, Lara a fait un effort, par contre. Bah. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ah, il y a l'air. Hein. Je suis plein? Non, je suis pas plein. Non, c'est juste qu'elle voulait pas faire d'effort. Tac. Et la fresque. Et on est bien. Quand les cavernes se mettent à hurler, un guerrier doit descendre soulager ce tourment. Si on ne peut pas sacrifier un guerrier, tous mourront. Sympa. Non mais vous savez que c'est juste les espèces de loups là, j'ai l'impression qu'ils font ce bruit. Hein. Est-ce que c'est du Quechua là? Est-ce qu'on a fait 100% Quechua? Si c'est le cas, on a peut-être le monolithe. Monolithe découvert, débloqué, MAM. Ah, je suis pas sûr que... Ouais non, monolithe MAM, ouais. Donc non. Eh non, ce n'est pas le Quechua. Ok, je suis à, ouais, je crois qu'on est à 40%, on était à 40% il y a pas si longtemps que ça. Non, saute. Non, saute. Ah, sympa, hein, sympa comme ambiance. Hein. Non, en vrai, j'aime bien, là, j'aime beaucoup ce tombeau, pour l'instant. Je trouve que y a un truc, là, hein. Y a une ambiance. Hein. Le récit d'une découverte. Les anciens du village nous ont menti. Notre sous-sol ne renferme aucune créature. Les hurlements que nous entendons ne sont que le vent s'engouffrant dans les petites grottes qui mènent à la surface. C'est cette crainte qui leur permet de nous contrôler, et elle a assez duré. Dès que j'aurai réussi à sortir de ce bain de vapeur infernale, je leur balancerai leurs mensonges au visage. Ah, c'était pas les loups. Enfin, qui sont pas des loups, mais voilà. Non mais attendez là, je vais où maintenant? Parce que moi j'étais content, je suis allé là. J'étais en mode bah c'est bon, c'est là. Mais. Ah bah oui! Bien sûr. Bien sûr que c'était là. Par contre. Est-ce qu'on va pas revoir des espèces de. Enfin, c'est ça le bait là. Dans le doute, ne pas dire ce que c'est. Mam, un document sur Votan. Votan est un ancien dieu maya de la guerre et de la mort. Il est si vieux qu'on dit de lui qu'il aurait déjà été très âgé au commencement du temps. On le représente généralement édenté et entièrement noir. On sait très peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il aime fumer des cigares particulièrement odorants. Pour l'anecdote, c'est également lui qui aurait inventé les percussions. Sympa. Bon, alors c'est le dieu de la guerre et de la mort, donc sympa, je sais pas, mais... Il a inventé les percussions. Je veux dire. Voilà, on en entend des percussions là. Et j'avoue que moi j'aime bien, je trouve que ça donne un rythme. Hein. Il y a une ambiance là. Hein. Dépôt de pétrole, oh là là. Mais attendez, pourquoi il y a un dépôt de pétrole ici? C'est la fête. Hein. Oh, c'est bruyant! J'ai vu un feu de camp, il est où le feu de camp? D'accord. Mais il est là le feu de camp, non? Pas du tout. Je peux sortir du tombeau par ici. Ah, ok. Alors attendez. Parce qu'on n'a pas eu la récompense du tombeau là. Je pense que la récompense elle est là. Après je peux pas juste faire ça? Bah si. D'accord. Sholok, le dieu de la mort. Je dois aller là-bas. Attrape ça. Je devrais pouvoir éteindre ce feu. Yes. Alors attendez, hein, juste il y avait un feu, hein, mais bon, je sais pas. Il y avait un feu, mais je sais pas, j'ai jamais vu. C'est pas très grave. Hein. C'est pas très très grave. Ah mais, si. Ah, le vent. Je peux passer par là.
Ah non? Oula, ouais. Oui, non, voilà, je peux me déplacer autour. Ouais. Je sais bien qu'il y avait un truc qu'on devait pouvoir faire avec ça. Ah ouais, donc là, il faut que je... Ok. Bon, j'attends que ça revienne. Et là, ça repousse. Et let's go! Tout va bien. On va pas du tout tout casser. Ah, quoique non, c'est bon, on peut ici. On a dit qu'on cassait rien à l'autre endroit pour Abby. Et ce sera pas nous, ce sera les Trinitaires. Donc techniquement, on n'aura rien cassé. Ok. J'ai le droit de faire ça. Bah par contre, attendez. Je peux totalement faire ça du coup. Ouais non, c'est là, c'est comme ça. J'ai le droit de sauter, vous pensez? Bon, je pense que je peux. Hein. Donc voilà, ça peut pas se déplacer. Je vais tomber. Oh non, mais non! Non, les sales bêtes, non! Couché! Ah, c'est pas la même animas. Ouais, c'est... Ah si, c'est le même finisher. Je sais pas, il me semblait qu'on se prenait un coup en plus dans le bras. Ah, on les entend. C'est nouveau. C'est nouveau, on les entend. Mais en fait, faut que je passe par là, de toute façon. Tout est plein, je peux plus rien prendre. Ok. Attends, ça c'était juste pour de l'argent? J'y crois moyen. Hein. Parce que, ouais, je peux interagir avec ça, mais ça. Ah! Ah! Alors, depuis où? Que je veux bien y mettre une flèche grappin, moi, mais... Ah... Alors le tirer pour détruire ça? Oh, attendez, on va se déplacer un peu. Je sais pas si je peux réussir à l'emmener là-dessus, en fait. Ou alors il faudrait que je fasse ça plus tôt, genre là. Ah mais non! Ça doit être à ça que ça sert ici. L'emmener de ce côté. Viens par là. Casse tout. Voilà. Tout casser, on a dit. Bon, là, on pourrait refermer ou attendre. On va attendre. Hein? D'accord, alors non. On va, voilà. On va y aller comme ça, on va fermer le truc, on va faire ça bien. Hein? Hop, on pousse ça. Bon, et je pense qu'à la fin de ce tombeau, on s'arrêtera. À mon avis. C'est bon, ça bouge plus.
Non mais Lara, fais un effort. C'est peut-être pas encore fini, hein. Eh ben. Hop, là on prend ça, on fait ça. On peut pas parce que... Non mais cancel. Parce qu'il y a ça. Ah. Super. Plus de puissance. Yes. Faudrait que j'accroche avec ça. Est-ce que je peux interagir? Ouais, ouais, ouais. Là, il y a cette corde, mais je vois pas trop comment je peux y accéder. Non, je vais pas couper la corde, ça me servira à rien. Sinon, une flèche explosive? Un truc explosif, là, j'ai pas. Comment je peux casser ça? Alors là. Alors là. J'avoue, là, comme ça, je vois pas. Parce que... Non. Ouais, non. Ah! Ça a pas marché du tout. Ça fait juste bip bip, c'est normal ça? Ouais. Une flèche qui fait bip bip, super, je suis content. Non, en plus j'ai l'air de pouvoir passer de l'autre côté, ça me... Ça me rend ouf. À moins ce que je puisse monter là. Oh, si ça explose parce que je passe proche. Je rigole. Hein. Je peux la reprendre? Non mais... Non mais je rigolais, je voulais pas la flèche. Bon d'accord. Tant pis. Hein. Par contre, ouais, je suis là. Maintenant, maintenant, je fais quoi? Ah, mais attendez. Non, je peux pas remonter? Non, si, je... Si je dois pouvoir monter. Ah. Ah mais non mais, oui. Du coup là je peux faire ça. Bon. Tant pis pour ma flèche. Tant pis pour la flèche. Là non. Non ouais, non non, non tu vas pas jusque là. Tu vas là. Ça suffira. Maintenant, je dois faire bouger l'autre pendule. Allez, on va y arriver, hein. Non, vite! C'est bon. Allez, Lara. On va y arriver. Donc, c'est ça, hein. Allez, adieu. Je me demande si elle a pas explosé. Je me demande si ma flèche a pas fini par exploser. J'ai cru voir un truc briller. Bon. Du coup, c'est bon maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire encore. Mais...
Bah non, parce que je peux plus passer maintenant. Non, non. Ah oui, sauf que là, je peux refermer. Faut que je referme même. Non, c'est comme ça. Voilà. Et on est bon. Et là, je meurs. C'est bon. Ok, let's go. Sacrée statue, hein. Sacrée structure. Voleur de stèle, cap de hurricane. Huracan. Réduit les dégâts de feu et d'explosion. Ça peut être pratique, hein. La grotte des hurlements, défi terminé. Nice. Et oui, en fait, le vent, là, du coup, on entendait le vent, effectivement, de là, et différents côtés. Et juste des bêtes féroces en dessous. Qui maintiennent l'illusion. Ok. Non, mais c'est bon. Allez, on se casse. On s'en va d'ici. Je sais pas si on pourra le faire facilement. Si, oui, on peut le faire facilement par là. Non, mais on s'en fiche, on peut tomber. On a le droit. Y'a rien. Ok. Bah, on va prendre ça déjà. Ensuite, c'est. Ouais, c'est eux. Donc ça va, tout va bien. Et là, je suis où? Là, je suis là. Yes. Oh, je sais plus d'où je viens. Problème, je ne sais plus d'où je viens. J'espère que je viens de là. Hein. Moi, je pense que je viens de là. Il y a moyen que je vienne de là. Hein. Par contre, pourquoi j'ai jamais pris tout ça, je ne sais pas, mais. Je vois des trucs pleins, je suis pas content. Ça me plaît pas, ça. Ok. On sort de là ou. Si là on tombait par là. Moi, je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est bon. Je crois que le tour est fait. Et qu'on va pouvoir s'en sortir. Encore de l'eau. Il y avait un passage aquatique. Je me rappelle même plus. Oh là là. Oh mais cette mémoire, c'est horrible. Hein. C'est par où? La map. La map me dit que je suis pas loin. Ah. Est-ce que l'épisode va faire une heure? C'est possible, hein. Mais normalement non. Mais c'est possible. Vous savez déjà, moi non. Mais je vais pas tarder à le savoir. Bon, arrête de faire le con. C'est par où maintenant? C'est par là. Ok. Ok. C'est bon, on est sorti. On est vivant. Je crois que c'est bon. Ouais, voilà, là, vous voyez. Change d'épaule, merci. Ouais, super. Ça valait le coup de changer d'épaule. Je peux plus rien prendre. Mais si, regarde. Tu vois quand tu veux. Ok, vite. L'objectif. Je sais pas pourquoi j'avais pas mon marqueur rouge. Non mais prends le lapin.
Bon, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau de le toucher comme ça. C'était où? Ouais, non, mais c'est le monument. Ah, on a. Ok, attendez. Bon, déjà, on a ça. Ça, on sait pas à quoi ça sert, mais. À ça. Donc, on va monter ici. Et récupérer ceci. Super, je suis content. Les ressources qu'on avait déjà. Elle est où la cache? Elle est par là. Je sais qu'elle est par là. C'est bon. Le spam a fonctionné. On l'a trouvé. Ok. Et on va se replacer vers la suite du scénario. Donc à savoir par... Non, c'était pas par là. Bon, ça marche aussi, mais voilà. En gros, on va s'arrêter. Moi, je pensais m'arrêter devant la grotte. On va voir si on arrive à la retrouver rapidement. Mais là, on est repassé par la ville. Salut. Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. Vous parlez d'Abby? Oui, je l'ai rencontrée. Elle m'a bien aidé. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto, dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos. Y créame, es mejor no pelear con ella. Ça doit lui faire des cartes de visite format A4. Ah. Ok, bonne chance et tout ça. Ouais, sachant que comme il y a une partie des dialogues que t'as pas voulu traduire... Je me suis arrêté, elle est comme votre, voilà. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que c'était Abigail pour vous. C'est votre huissier de justice, votre avocate. Bref, bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois. Prochaine fois, ouais, on découvre ce qui se passe de l'autre côté, on fait la quête principale. Je pense qu'on fait la quête principale la prochaine fois. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.